dressée au bord d'un étang aux marges de la forêt de Brocéliande, fut bâtie en une seule nuit par des korriganes, des êtres venus d'un monde de brume non loin du Val sans retour, où la fée Viviane, dit-on, retenait les amants infidèles. Les korriganes, celles qui ont le pouvoir d'arracher aux endormis leur âme, qu'elles emportent dans leur vol vers les marais. De siècle, en tel an de grâce de ces temps reculés, un seigneur, on le disait à tort, brutal comme une bête, avait revêtu la cotte de maille et le haut massigné, et brandissant l'écu de ses ancêtres, on l'avait vu traverser l'aube. Nul ne put dire au juste la cause de cet éloignement. On invoquait la foi, bien sûr, une foi mise au service de la chrétienté. Mais qui aurait imaginé une blessure affectant la part la plus vulnérable de ce guerrier, aussi adroit à manier l'arc qu'à faire mouliner le glaive autour de son poitrail. Le fait est que, un beau jour, il s'était résolu à laisser derrière lui une épouse pieuse et férue de légende, une sœur gardienne du foyer, leur chambrière discrète et la gouvernante à leur service, sans oublier, tout dévoué à leur maître, la petite poignée de domestiques et les villageois, de Brecheliande.